vidéo. Et non, ça n'est pas du merchandising, c'est de la nourriture. Nous sommes au Rendez-vous Gourmand. Alors, ça y est, ça s'appelle toujours Rendez-vous Gourmand. Attendez, je me renseigne quand même. Non, pardon. Nous sommes à l'Hiver Gourmand, qui est donc la nouvelle édition, donc 2021, de ce petit rendez-vous où on goûte, on savoure. C'est de la dégustation. Ce sont des toutes petites portions, effectivement. Hello. Et là, il faut qu'il soit là parce qu'il faut manger. Bah, d'habitude, les rendez-vous gourmands, l'Hiver Gourmand, c'est tout en moi qui filme, c'est tout en moi qui fait la vidéo. Sauf que là, je me suis dit, je fais pas mal de vlogs, t'as pas de nouveautés en merch, tu vas filmer, moi, pendant ce temps-là, je bouffe. Mais c'est incroyable. Alors, il faut savoir que sur les chalets, il y a 10% si vous avez le pass annuel. Donc, ils sont débités. N'oubliez pas de le présenter, de montrer le bien avant qu'il tape. Parce qu'une fois qu'il a tapé, c'est compliqué pour. Donc, vous montrez bien votre pass annuel. On va vous montrer ce qu'on mange. On va vous montrer les chalets. Et puis, c'est très sympathique. Même se faire un petit vin chaud, même se faire une petite crêpe. Vous n'êtes pas obligé de vous faire un menu entier. Mais des petites dégustations comme ça, ça fait chaud au cœur. Hein ? Il y a deux chalets qui ne sont pas du tout thématisés de la même manière. Qui sont là-bas, il y a The Winter Twist et The Vegan Kitchen. Bon, on va découvrir ça. Mais alors, ils sont complètement isolés, ils sont à côté de la Tote là-bas. Sinon, bien sûr, c'est dans le quartier français, c'est-à-dire à côté de Ratatouille. Paris. Paris, la dégustation. Mais bon. Paris, c'est The French. The French. Oh, non, mais enfin, là, c'est des. Hey, attention, c'est régional. Hein. Vous avez toutes les régions qui sont. Enfin, une partie des régions qui sont représentées. Je vous montre ça. C'est parti. Alors, parmentier de canard, velours, de butternut vegan, navette au saumon fumé, crème ciboulette, tarte tatin, bûche de Noël, kir de crème de cassis, kir à la crème de cassis, vin blanc, vin rouge, champagne, vitel. Sympathique. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on trouve du vegan dans les chalets. Avant, il y avait un chalet que vegan. Maintenant, il y a un peu de vegan aussi dans les chalets. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Sympathique, hein. Une petite tarte tatin là-bas. Une petite bûche. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors là, on est dans les goûts et saveurs des montagnes. Donc là, je pense réellement qu'on est sur de la tartiflette au reblochon, sandwich de raclette au jambon de pays, vin blanc, vin rouge, vitel. Oh. Bonjour. Alors toujours très sympathique. Les gens qui travaillent dans les petits chalets sont toujours très sympathiques. Parce que ça va avec la nourriture aussi. Hein. C'est un peu la fête quand même. Voilà, je vous tourne tout ça avant qu'il y ait 1 million de personnes. Ouh, confiture de lait de Savoie. Oh là là, on est mal, les enfants, on est mal. Allez, on continue. Bonne journée. Alors là, on est sur la recette de la cigogne. Sympathique. Ouh, choucroute. Pâté en croûte, quiche Lorraine, grezel, petite bière de Noël, licorne, vin blanc vitel. Attention, hein, c'est une dégustation. Les gens sont toujours étonnés par la taille, mais ce sont des dégustations, ce sont des petites portions. Donc là, je vous montre un petit peu les choses. Oh, regardez ce qui nous attend. La sucette en bonne épice, fantastique. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le bretzel. Alors moi, c'est ma passion. Le bretzel, je viens que pour le bretzel. Ah, on a le bretzel fromage. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Comme tous les ans. Enfin, comme tous les ans. Voilà. On est content de les retrouver. Regardez-moi ce pâté en croûte. Les enfants, c'est la France. Allez, on mange des bonnes choses. On s'éclate. Et bien sûr, inévitable, la seule, l'unique, la choucroute. Elle est très très bonne. Elle est toute petite, mais elle est très très bonne. Donc moi le principe c'est de manger un morceau de choucroute, enfin un petit morceau de choucroute de dégustation avec un petit bretzel et un petit dessert et peut-être un petit pâté en croûte en plus. Voilà. Enfin moi je donne des petites un petit vin blanc comme ça. Très sympathique, bonsoir. Bonjour. Alors quartier français oblige, bien sûr les chalets sont là. Hein, parce que la française en France c'est la bouffe. Hein. C'est la bouffe, c'est la dégustation, c'est des beaux sandwichs au foie. Quoi. C'est, voilà, c'est ça la France. Hein, on est bon. Alors là le vin chaud, bien sûr, il y a beaucoup plus de monde. Ça prend le vin pas du tout. Là on est avec la douceur d'hiver. Cornet de marron chaud. Oh, j'adore le marron chaud. Vin chaud aux épices. Ils sont extrêmement bons. Parce que des fois dans les marchés de Noël, vous savez, des vins chauds, c'est une horreur, ça sent pas bon du tout. Là, ça sent extrêmement bon les épices. Chocolat chaud, thé infusé, expresso. Voilà. Les petits prix sont indiqués. Effectivement, c'est 6 euros. C'est toujours de la dégustation. C'est ce que je vous explique. Hein, on est bien sur une dégustation, on n'est pas sur des plats. C'est pas des restaurants. Regardez-moi, c'est marron. Ah, ça change des marrons faits pour les galeries Lafayette avec des papiers journaux. Hein. C'est très marron. Voilà. Magnifique. Et du coup, ça sent super bon le marron. Le vin chaud, j'adore parce que je sais pas fait à l'ancienne, regardez. Tu n'as pas les prix devant là, monsieur. C'est 6 euros. Vous avez pas toujours, vous avez les petites tables hautes pour déguster. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai filmé un petit peu par là-bas, vous aviez les tonneaux.
les barils. Attention, la bigoudelle gourmande, règle non, j'ai envie de manger galette et crêpes, galette de, oh la vache, galette de magret de canard et mental roquette, galette de jambon fromage, galette chèvre miel noir roquette, crêpe au sucre et crêpe avec un bon petit cidre ou chocolat chaud ou jus de pomme. Hein. Moi ça va être une pomme parce que c'est avec une boîte d'alcool, mais en tous les cas, ça donne bien envie parce que là vraiment ils ont fait des recettes de crêpes super. Et d'ailleurs, il y a énormément de monde qui attend. Regardez comme c'est bon. Pendant qu'elle est en train de filmer de son côté, je me suis pris un cornet de copains. Donc c'est extra. On va aller se rendre par là-bas pour voir s'il y a d'autres... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu fais toi? The Winter Twist. Vin chaud, cornet de saucisson, cornet de copains. Mais c'est pas possible. 5 euros le cornet. Mais tu vas aller voir, tu vas aller voir. Non, c'est mon entrée. Viens, tu veux un bout? J'espère bien. Donne-moi. Mmh. Alors, on goûte. Mais on mange pas comme ça. On déguste. Je déguste. La cobaye est super bonne. Combien t'as payé? 5 euros? Ils prennent le passeport? Je crois que si. Tu as oublié le passeport, t'as 10%. Wow, j'ai perdu 20 centimes. Ouais. Bah non, mais quand même, quand tu prends 3 ou 4 trucs, c'est important. Je vais quand même aller demander, je vais aller vérifier. Voilà, fais ton travail, c'est ta vidéo. Non mais on se calme aujourd'hui. Moi hein. Je mange, je fais dégustation. Ouais, regarde. Dégustation. Non mais les tranches sont belles. Oui mais ça se déguste, ça se met pas en entier dans mais sa bouche. Mais ça se déguste. Oh là voilà. Là, va voir Auguste pour la dégustation. Ça Gusto, se Gusto, il s'appelle Gusto, mais pas Auguste. C'est tellement toi ça. Gusto, c'est le diminutif de Auguste. Voilà oui. J'ai l'air con avec le masque comme ça. Pour manger, je peux l'enlever. On dit pas de gros mots sur notre chaîne, s'il te plaît. M'en fous, je mange. Effectivement, je crois que je confondais un petit peu avec les rendez-vous gourmands. Ça n'est pas l'Europe. Là, ce ne sont que... Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Les spécialités les rendez-vous françaises. Gourmands, on avait les spécialités européennes. Et françaises. Là, l'hiver gourmand, on est sur les spécialités régionales. Régionales, françaises. Et ça, c'est bien. Et donc, du coup, il y a moins de chalets, mais ils sont très sympas. Ma copine n'est pas d'origine française, mais c'est bien. Ok, bon, on y va. On va découvrir. Alors là, on a le vegan kitchen. J'arrive pas à dire kitchen. Alors, vegan kitchen, comme tout à l'heure, on y va. Sandwich vegan. Donc, on a légumes marinés, galettes végétales, roquettes, tartare de tomates, velouté de châtaigne, moelleux au chocolat, banana bread. Il y a du banana bread? Oh, je suis mal. Jus de pomme cannelle chaude, ça doit être extrêmement bon. Jus d'orange pressé, vin blanc, vin rouge, vitel. Voilà, donc c'est très sympa. Si je ne me trompe pas, le banana bread, c'est les petits morceaux qui sont là. Et c'est très sympa ce burger là. Voilà, vous êtes bien accueillis. Voilà, c'est chouette. Et là, on a donc un autre. Celui-ci, c'est le The Winter Twist. Alors, The Winter Twist. Ah! Oh là là, ça sent très bon. Parce que c'est du vin chaud à la cannelle. Attendez, je vous dis ce qu'il y a. Déjà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, ça, messieurs, dames, ça, c'est. Voilà, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie, c'est l'apéritif, c'est. Voilà. C'est la dégustation, c'est la charcuterie, c'est le fromage. Donc à déguster, ici nous avons cornet de fromage, cornet de copa, cornet de saucisson, bière pression, bière bouteille sans alcool, vin chaud aux épices, et je peux vous dire que les épices on les sent bien, vin blanc, vin rouge, champagne, allez hop champagne, vitel. Oh, c'est très sympathique parce que quand même les enfants, le vin, les boissons, l'apéro, c'est...
c'est le résumé de notre vie quand même, on est bien d'accord les Français. Ça a été le gros problème avec le confinement. Ça a été le problème. Ça a été le problème. On ne pouvait plus faire l'apéritif. Ah voilà, donc je vous montre la bière. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà les épices. Oh la cannelle, elle est magnifique. Regardez cette femme qui met tout son cœur dans ce vin chaud, c'est fantastique, c'est extraordinaire. On est toujours très bien accueillis en tous les cas. Les gens sont très gentils. Ce sont des gourmands comme nous, ils savent absolument comment nous aiguiller pour bien manger. Alors, toujours pour les dégustations, hein, je vous ai montré hein, les tonneaux, ils sont partout. Regardez comme c'est chouette. Alors, j'entends déjà ceux qui vont dire, mais dis donc 6 euros pour une toute petite choucroute, c'est même pas une entrée, c'est n'importe quoi. Ce sont des dégustations, je le répète bien, des dégustations. Personne ne vous oblige à les prendre, personne ne vous oblige à venir. Mais pour venir vous prendre un petit dessert ou même une petite entrée, en plus d'un menu que vous allez prendre ailleurs, je ne sais pas. Ou même, nous, c'est ce qu'on va faire. On achète 3-4 choses différentes qu'on goûte. Et puis, on est content. Ça nous fait... voilà, on a pris un bon petit déjeuner. C'est plus léger, c'est un petit truc. Moi, j'aime bien. Les qualités des produits sont vraiment bien. Hein, ce n'est pas des choses qu'on vient nous sortir des trucs surgelés. Pas du tout. C'est très, très bon. Chris, la copa qu'il a mangée était excellente. Et là, moi, je me persipie pour aller manger ma petite choucroutasse. Voilà, voilà, c'est bien léger tout ça, mais en même temps, il fait bien froid. Salut Buzz, il fait bien froid et on a besoin de se réconforter, c'est important. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, nous qui sommes parisiens, ce qui était très dur pendant le Covid, c'est que dans la rue, les restaurants et les terrasses étaient fermés. Et les terrasses, c'est la vie, je veux dire, c'est la vie. Le parisien, dès qu'il peut, alors c'est pareil dans toutes les grandes villes, je pense, c'est pratiquement très très français. On a remarqué qu'à l'étranger, c'était pas pareil. Mais nous, dès qu'on peut avoir une terrasse, on est comme des fous, quoi. Le vin, le machin, le champagne, l'apéritif, la bière, on est comme des fous, un petit morceau de saucisson, la vie. Attends, je fais une expérience incroyable, je nous filme, regarde, coucou. J'attends mon parmentier de canard. Donc toi tu as choisi le parmentier de canard? Oui, après la copa. Après la copa. Excuse-moi, tu vas manger sans moi aujourd'hui? T'es en train de te brûler? Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, je peux pas te sortir en fait. En plus tu t'es mis, regarde, c'est garage à vélo. Vive le Tour de France. Ah, par manqué de canard, il a été chauffé, mais il a été bien chauffé. Il a l'air bon, hein? Il est bon. Le canard est sur le tour. Pas l'impression qu'à l'intérieur, pas pareil, mais on le ressent bien. Et puis c'est bien, t'as mis un petit salade, tu regarde. Ah non, non, il est tout en dessous et autour, oui, regarde. Il y a du canard. Bah, c'est un parmentier en fait. Vive le canard. Désolé Donald. Mince, c'est gênant. Donald et Daisy là. Je suis mal. Je peux plus aller les voir. Moi, la para tout à l'heure quand ils vont passer, ils disent Filoulou, j'ai tourné la tête comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Non, on va dire que c'est Daffy Duck. C'est pas mieux ce que mais c'est pas mieux, c'est horrible. Tais-toi. C'est horrible. Tais-toi. Oui, je me tais. Pour me taire, on part pas à bouche pleine, donc voilà. Est-ce que je prends une tartiflette? Mais après, c'est compliqué de parler aux gens avec une odeur de tartiflette. Non, 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 non. J'avais dit que je prenais une choucroute. Je prends une choucroute et un bretzel. Non, je te remonte, on voit bien, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de canards. Oui, oui, oui. Oui, alors moi j'ai été craqué, je t'avoue, j'étais craqué. T'as été craqué? Oui, j'étais craqué, j'ai pris... Tu as craqué? J'ai craqué. Je peux manger? Si, non, mais je t'avoue que je voulais te montrer, j'ai craqué complètement. Donc là, c'est le pâté en croûte. Alors c'est marrant parce qu'il est beaucoup plus gros que ce qui est montré en vitrine. Donc je vous conseille de l'acheter, franchement. Petite choucroutinette et un bretzel. Chaud, tout est chaud, enfin, à part le pâté en croûte. Est-ce que tu veux... Non, 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 en plus tu prends pas la plus grosse part. Pourquoi? Ah bah non, t'es gentil. Ça veut dire quoi? Donne-moi celle-là. Non, t'as celle-là. T'as mangé ta copa, là, tranquille, tout à l'heure. Tu t'es donné une tranche. Oui, je m'en fous, monsieur. Celle-là, c'est la plus grosse part, tu me la laisses. Tu sais ce que je préfère, c'est la pâte. Non, mais il n'y a pas beaucoup de pâte. Mais je te... Donne-moi ça. Oui. Mais tu es incroyable, on ne joue pas avec la nourriture déjà, Christophe. Eh ben, tu sais quoi? Là, les gens voient comme tu es radine. J'ai jamais été radine. Là, les gens voient. Vie, les gens voient, les gens voient, regarde. Non, c'est que moi j'aime la pâte et t'es en train de me prendre celui où il y a le plus de pâte. Donc ça suffit. Elle est fine celle-là. Tu m'ennuies, va en chercher du pâté en croûte. C'est 4 euros. La choucroute, c'est comme d'habitude, elle est bonne. Elle est très très bonne. Par contre, je trouve en rapport quantité, je dis bien quantité, pas qualité. En termes de qualité, tout est bon. En termes de quantité... Le parmentier de canard comme ça, ça a l'air peut-être petit, mais c'est vraiment bien rempli. Je trouve que c'est assez copieux. La choucroute, c'est vraiment une petite portion pour le coup. C'est une dégustation. 100% d'accord avec toi. Mais je dis juste que là, du coup, le parmentier de canard,
On en a vraiment pour son argent. Avec le PA, ça enlève 60 centimes. La moyenne, c'est 6 euros le plat. Mais comme on avait parlé du fait que quand tu prends des crêpes, c'est des tailles normales de crêpes. Oui. Du coup, c'est plus intéressant d'acheter une crêpe. Regarde, je mange la tranche fine que tu m'as laissée généreusement. Elle est vraiment fine, sa tranche. Tu as fini, c'est fini ou pas? Calimero, là. Déjà, je suis gentille de te donner de mon pâté en croûte. Il est bon? Il est correct. Il n'est pas transcendant. Attends. Ça, c'est pas transcendant. Attends, laisse-moi. Oui, effectivement, il est basique. Excusez-moi. Moi, je dis que pour quelqu'un qui veut vraiment manger à sa faim au rendez-vous gourmand, il n'y a que les crêpes. Parce que les crêpes, c'est la taille normale d'une crêpe. Et là, elles sont fourrées avec du canard. T'as pas vu, toi? C'est crêpes fourrées au canard, tout ça, machin. Donc, effectivement, là, c'est la taille d'une vraie crêpe. Le reste, même des petits sandwichs de tartiflette. C'est la dégustation, c'est toi-même qui l'a insisté. C'est la dégustation. Bon, je peux manger ou pas? Oui. Merci. Alors, comme on peut voir, j'ai bien apporté. Qu'est-ce que c'est que ça, Chris? J'ai été chercher deux bûches. Il y en a une pour moi? Ah bon? Non. Comment ça, t'as pris deux bûches, il n'y en a pas une pour moi? Non, t'aimes pas les bûches, alors fais pas ça. J'aime pas les bûches. Non, celle-là, elle est framboise. Mais c'est une bûche pâtissière. Il en existe, elle est framboise. Non, c'est pas une pâtissière. Il en existe une à côté exotique, fruit exotique, je ne l'ai pas prise aujourd'hui. Et là, c'est trois chocolats. Donc on peut voir noir, blanc, lait. Tu pourrais goûter quand même? Je ne sais pas, vu la taille de... Tiens, du bretzel. Je te préviens, c'est sucré, c'est salé, pardon. Oui. Ça veut dire que tu vas boire toute la journée. Je n'ai pas encore attaqué le sucré. This bretzel makes me thirsty. Comme une idée de génie, marathon de Paris, il y a quelques années, au bois de Boulogne, kilomètre marathon, qui ne savent toujours pas, c'est 42 km 195. Kilomètre 37, 38, bien mort. Il y a un stand, ils ont des bretzels. Je ne sais pas pourquoi, comment c'est arrivé là, il y a un stand avec des bretzels. Je suis un génie, vous le savez maintenant. Je prends des bretzels. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête de prendre ça? J'en sais rien. Personne ne s'est arrêté au stand. Tous les autres étaient beaucoup plus intelligents que moi, c'est une évidence. Au bout de quelques mètres, je suis là. Parce que j'avais déjà pas soif, bien sûr. L'enfer. Les derniers kilomètres, l'enfer. Ne prenez jamais des bretzels si vous devez courir un marathon. C'était l'info du jour. Très important pour ceux qui courent parmi vous. Je peux manger? T'as un problème? Ah ouais. La bouffe. Discrètement. Mais discrètement dans tes rêves, je te vois. Très bon. Mais va en prendre une. Non. Ah ouais, j'aime pas. Moi, je veux voir du banana cake. Vous savez que j'ai un problème avec le banana cake. Banana bread. Tu es en train de faire une vidéo sur l'hiver gourmand, qu'est-ce que tu nous parles du banana cake? Ils le vendent là-bas, au stand végan. Va les suivre, monsieur. Je ne vais pas au stand végan. Écoute, il y a des trucs très sympas au stand végan aussi. Je ne discute pas. Tu peux goûter là, 4 chocolats? C'est 3 chocolats, mais bon, si tu veux un 4e chocolat... En fait, le biscuit spongieux, on dirait de la dentelle de chocolat dessus, c'est très bon. Là voilà, ça c'est un petit peu plus solide. C'est excellent, donc j'ai goûté à tout, hein, bien sûr. Et là voilà, ça c'est très 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 bon aussi. Alors du coup, par contre, ça fait des portions de gâteau très très honorables, hein. Très bien. Alors, deux plus beaux de tous les chalets, nous sommes de retour. Bonjour madame, toujours. Et c'est monsieur. Ça fait des yeux magnifiques. Ah non, mais vous avez des yeux très féminins. C'est vrai? Ah oui. Les vrais yeux de biche. J'avais pas vu votre détail. Habituellement, on dit que c'est moi avec les cils. Davidette. Non, les cils. Les cils. Nous sommes venus chercher le vin chaud, promis, parce que Christophe, il goûte tout aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Non, mais l'odeur est redoutable. L'odeur est redoutable. Alors, on a vu de l'autre côté. Il y a celui aux épices, mais. Il y a celui aux épices et nous avons aussi celui moi à la cannelle que je préfère. Voilà la cannelle. Vin chaud. Alors ce vin chaud. Waouh. Alors moi je suis pas vin. Oui, c'est vrai que t'es pas vin. Très whisky. Mm-hmm. Un peu bière. Mais là l'odeur, ce qu'on disait, est redoutable. C'est The Winter Twist, que j'avais pris la copa. Il est à la cannelle, mais il est incroyablement doux, en fait. Très sucré, non? Cannelle.
pas trop sucré justement, mais c'est ah non, franchement il est incroyable. Il y a un autre chalet plus loin où c'est un vin aux épices. Oui. C'est différent, il n'y avait pas une odeur. Là, l'odeur m'a vraiment happé. D'habitude, je ne prends pas de vin. Mais là, l'odeur m'a vraiment happé. Je me suis dit, il faut que je le teste. Mais c'était pas les mêmes, tu vois, les mêmes containers. Enfin, pas les containers, mais là où ils font. Ah le non, vin. Mais d'ailleurs, tu as filmé tout à l'heure oui. Quand il fait comme ça. Alors, c'est toujours en cuivre. Hein. Oui, oui, oui. Mais il est incroyablement bon. Donc, The Winter Tourist, le vin à la cannelle. En plus, ils sont super sympas. Un régal. Juste en bas des chalets gourmands, vous avez chez Marianne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit tour dans cette boutique. Et si on allait jeter un œil, que je vous montre un petit peu les collections que vous pouvez trouver pour la maison. Voilà, les vitrines de cette boutique sont absolument magnifiques. Marianne, pour moi, c'est vraiment, alors là, le chic à la française, la gastronomie, la pâtisserie, les gourmandises. Regardez, regardez comme c'est joli. J'adore, c'est tellement joli. Alors, cette boutique est absolument magnifique. Allons faire un tour dedans. Je me permets de faire une toute petite pause merchandising. Pourquoi ? Parce que effectivement, juste en face, vous avez la boutique chez Marianne qui vous propose plein de choses pour la cuisine. Il y a des tabliers, il y a des moules à gâteaux, des assiettes, bien sûr les mugs. Vous avez des petites théières, vous avez les boules à thé, voilà, il y a des thermos et les ustensiles que je trouve absolument sublimes. Voilà, complètement dingue. J'adore, voilà. Vous avez aussi le minuteur pour la cuisine, des petits sets de cocottes. Regardez comme c'est mignon ça. Voilà. Et les sous-plats. Moi j'avais le sous-plat en métal qui s'est cassé. J'avoue que depuis j'en ai jamais racheté, mais il est très bien celui-là. Voilà, c'était juste un petit tour pour vous montrer cette boutique que je ne montre pas beaucoup souvent parce que c'est vrai que je suis pas dans le studio. Et il y a aussi quand même tout le merchandising que je voulais vous montrer, qui est intéressant à voir, qui est le merchandising de chez Rémi. Regardez. Donc vous avez la tasse, vous avez les verres. Alors les verres, je suis quand même assez curieuse de regarder le prix. Ils sont à 9,99 pièces. Voilà. Et surtout, vous avez le t-shirt et le pull. Tout ça supervisé par ce Rémi que je trouve toujours aussi drôle avec ses yeux qui louchent. Voilà, l'erreur de la nature, on ne sait pas. Mais donc, on revient au chalet. Hein ? C'est parti. Voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. Je voulais vous montrer de nuit les chalets. C'est absolument prodigieux, le coin français de nuit est absolument magnifique. Je vous conseille vraiment de venir y faire un tour. Bien sûr, ce ne sont pas des menus hein, pour des gens qui mangent bien, pour des familles nombreuses. C'est compliqué hein, de venir au chalet gourmand. C'est vraiment pour se faire plaisir, des petites choses, 4, 6 euros. Voilà, moi je vous ai montré ce que j'ai fait comme mélange pour pouvoir avoir à peu près à manger. C'est de la dégustation, c'est très bon. Vraiment, c'est très très bon. Donc je vous conseille vraiment de venir, de vous goûter une petite crépinette, de vous goûter un petit bretzel, un petit vin chaud, un chocolat chaud, des marrons, ce que vous voulez. Voilà, on vous embrasse en tous les cas, vous prenez bien soin de vous, vous faites plaisir. Bien manger, c'est aussi se faire plaisir. Prendre soin de soi, prendre soin de vous, en ce moment c'est un petit peu tendu, ça y est. Ça recommence un peu à. On va péter un peu dans toute l'Europe. Et ben nous, on tient le coup. On est sérieux, on fait attention à soi. Parce que nous, on a envie de vous avoir tous les jours, regarder nos vidéos, nous faire des commentaires. On adore ça. Donc on vous remercie. Les petites crevettes gourmandes, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine vidéo. En ce moment, on est très très. On essaie de vous en mettre un maximum. Voilà. On vous fait tout partager, comme d'habitude. Gros bisous. À bientôt les crevettes.